à tous, je reviens aujourd'hui avec mes produits terminés. Donc c'est parti. Donc j'ai terminé ma crème chouchou depuis l'année dernière, c'est les Facard Duo Plus, soin anti-imperfection, anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque de La Roche-Posay. Donc il se présente comme ceci dans un tube, par contre je n'ai plus le bouchon. Bon, enfin bref, ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une très très bonne crème. Pour les peaux à tendance acnéique, il est vraiment super. Donc je vous le reconseille, pardon. Et je l'ai de nouveau dans ma salle de bain. Pour moi, c'est vraiment un très très gros top. Et je pense que je le rachèterai tout le temps. Voilà. Deuxième produit, c'est un Playboy pour hommes, déodorant Playboy pour hommes, de New Generation. Skin Touch Innovation. Donc je crois que c'est un produit qui se tourne comme ceci. C'est mon fils qui l'a fini, donc il adore. Je lui rachète toujours les Playboy. Ensuite, bon, actuellement dans ma salle de bain, j'ai un Oral-B. Je vous avais présenté d'ailleurs le 3D White Luxe dans mes favoris. Avant ça, j'avais fini mon dentifrice chouchou. C'est le Optic Watt de chez Colgate, que j'avais acheté à Action, chez Action d'ailleurs. Donc ça, c'est, je vous le dis, c'est un immense chouchou, je l'achèterai tout le temps. Mais le 3D White aussi, hein, ça en fait partie, les deux, je les adore. Ensuite, j'ai terminé le sérum végétal Ride Éclat Fluide Lissant de chez Yves Rocher, que Aurore m'a envoyé lors de notre swap. Il est franchement très bien pour peau mixte. Alors, je ne l'utilisais pas tous les jours. C'est un fluide lissant. Il a une bonne texture sur le visage. Il ne fait pas la peau grasse. Je l'utilisais seul le soir. Donc, un très gros coup de cœur aussi. J'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas mal de crèmes à finir aussi. Ah oui, actuellement, dans ma salle de bain, voilà, je vous ai juste laissé la lame. C'est l'intuition de chez Wilkinson. Voilà, c'est un rasoir avec comme une sorte de savon. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc ça, j'ai racheté. J'ai racheté les lames. Donc voilà, là, ça se présente comme ceci avec le savon, vous voyez. Donc ça fait des jambes toutes douces. Donc ça, je vous le conseille. Bon, c'est vrai que c'est pas donné à l'achat, mais après vous achetez les lames et puis c'est plutôt bien parce que ça hydrate les jambes et ça évite qu'on se coupe. Hein. Voilà. Donc je vous conseille les Wilkinson. C'est quoi déjà? Intuition. Voilà. Sensitive Care. Donc ça, c'est vraiment un top. Ensuite, autre coup de cœur aussi, j'ai deux différents rasoirs parce que celui-ci de Wilkinson, j'avais acheté pendant mes vacances d'été. Et comme mon mari s'est trompé de lame, au lieu de me reprendre les Vénus comme ceci, il m'a pris ses lames pour celui-ci. Donc comme j'avais gardé le rasoir, j'utilise actuellement celui-ci. Mais sinon, j'ai fini les lames du Vénus Eolize. Exfolie aide à retenir l'hydratation, ce sont les rasoirs comme ceci. Je vous les conseille aussi et je les rachèterai aussi. Voilà. C'est deux styles de... Là, c'est le gros, je ne sais pas comment vous dire, le gros, un gros embout pour un gros rasoir, je vais y arriver. Et ça, c'est le tout petit. Mais ils sont bien tous les deux parce qu'ils ont un côté hydratant et ça empêche que vous vous coupiez. Ensuite, j'ai testé le sérum éclat anti-âge que j'avais reçu dans mon swap avec Sandra de la marque Sobioéthique de Léa Nature. Donc ça, c'était vraiment un très gros coup de cœur. Hop là, j'ai bien aimé sa texture. Par contre, je l'utilisais le soir parce qu'il était assez nourrissant. Il avait des petites nacres dorées, donc j'ai adoré. Bon, actuellement, je ne vais pas le racheter parce que j'ai une peau à tendance grasse. Donc, à faire des petites cures de temps en temps, je serai amenée à le racheter.
Ensuite, j'ai fini le Pure Light coussin de teint aérien de chez Yves Rocher. On verra plus grand chose. Alors ça, par contre, j'ai moyennement aimé. Je l'avais reçu dans le swap avec Aurore. J'ai trouvé la texture un petit peu bizarre. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ce genre de texture. Donc là, il n'y a plus du tout de matière. Ça fait donc comme un coussin. C'est un peu dur à prélever d'ailleurs. Mais sinon, c'était un bon produit. Mais j'ai eu un petit peu de mal à l'appliquer. Donc moi, je l'ai appliqué avec une petite éponge que j'ai d'ailleurs laissée dedans. Il fallait vraiment appuyer pour déposer de la matière. Sinon, le miroir est assez sympa. Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer. Voilà, vraiment très très bien, bonne découverte. Mais je ne le rachèterai pas parce que c'était assez dur à prélever. Et j'avoue que je ne suis pas tentée par ce genre de produit. Je mets L'Oréal, tout le monde en fait maintenant. Mais je n'en testerai pas d'autres. Mais sinon, il était bien quand même. Et dur à prélever quand même. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai fini une crème hydratante texture riche aussi de la marque Noreva 24 heures. Alors par contre, celle-ci, je l'ai utilisée pour les pieds parce qu'elle était trop riche. Et elle avait tendance à me faire graisser la peau. Même le soir, le matin, j'avais la peau un peu luisante. Mais elle ne m'a pas donné de boutons, je n'ai pas eu de soucis. Je l'ai juste utilisée après sur les pieds. Voilà, donc j'ai bien aimé tester. Je ne me rachèterai pas. Ensuite, je jette ma petite houppette de chez Kiko. Parce qu'à force de la laver, elle commence à s'abîmer. C'était une petite houppette comme ceci, vous voyez. Bon, là, je ne l'ai pas lavée du coup. Elle passe aussi en machine, mais là, je me dis qu'il faut que je la jette parce que, voilà, elle commence à s'affaisser. Et donc ça, je ne le rachèterai pas. Ensuite, actuellement, dans ma salle de bain, j'ai un savon à la pivoine. Pur végétal parfum de grâce de la marque Leblanc. J'adore son odeur. J'adore me laver les mains avec un savon. Par contre, petit aparté, il paraît que ce n'est pas conseillé de laver ses pinceaux au savon, mais plutôt avec un gel douche ou plutôt un savon. Ou plutôt un shampoing, excusez-moi. Mais j'adore l'odeur. Je l'ai actuellement dans ma salle de bain. Voilà. Ensuite, j'ai testé un lait ultra doux pour le corps à la délicatesse d'avoine pour pro-sécher sensible. Je l'avais reçu dans un swap. J'ai bien aimé le tester. Je n'achèterai pas parce que j'ai plein de lait à finir et j'ai tout un stock à commencer d'ailleurs. J'ai adoré aussi l'herborian Perfect Bébé Masque, masque 3 en 1, effet peau parfaite, je ne vais pas y arriver. Resserre les pores, alors 1 resserre les pores pour un effet peau de bébé, 2 nettoie la peau en profondeur avec ses actifs antibactériens, 3 donne un véritable coup d'éclat pour un réveil en beauté. Franchement, j'ai vraiment adoré ce petit masque-ci de chez bébé masque de chez Herborian. Je vais y arriver. Hein. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé le tester. Mais bon, je n'en rachèterai pas pour l'instant. Comme je vous dis, j'ai mon stock à finir. Ensuite, j'ai testé les patchs point noir de la marque Joliderm que j'avais reçu dans un swap. Alors, ça se présentait comme ceci, dans un petit emballage individuel. Alors, c'était à appliquer sur le nez. J'ai laissé exactement, comme il disait, sur nez mouillé, tout ça. J'ai laissé donc 20 minutes, c'est ça, 15 minutes. J'ai essayé les deux d'un coup. Ça n'a fait aucun effet. Ça ne m'a pas du tout enlevé les points noirs. Voilà, c'est dommage parce que j'essaye de trouver des bons patchs. Ceux de chez Action qui sont apparemment très bien à la boue, il me semble. Au charbon, je ne les trouve pas. Donc ça, c'est un flop. J'ai pas du tout aimé. Pour moi, il ne faisait rien du tout. Ensuite, j'ai testé un parfum Lancôme La Nuit de Trésor. Très bon parfum. Hein. Mais bon, je ne l'achèterai pas. C'est pareil, j'ai plein de parfums. Mais si vous cherchez un parfum, mesdames, par exemple, pour votre Saint-Valentin, vous pouvez
emmener monsieur par exemple chez Sephora et lui faire sentir et vous découvrir le parfum et pourquoi pas vous le faire offrir pour la Saint-Valentin. Petite idée de cadeau au passage. Ensuite, j'ai testé et oui, c'était plutôt bien. C'est un shampoing 2 en 1 que j'avais reçu dans mon swap avec Sandra. C'était un shampoing pour enfants, Mushy Monsters. Alors, il était assez... il n'avait pas d'odeur, il était assez gélatineux. Donc, je l'ai testé quelques fois et après, j'ai bien aimé laver mes pinceaux avec. Voilà, c'était sympa à tester. Voilà, super sympa à tester. Ensuite, j'ai adoré ce masque-ci, coup de fouet anti-fatigue que Carole m'avait offert lors d'une enveloppe surprise. D'ailleurs, Carole, si tu passes par là, Sandra aussi, et je vais y arriver aujourd'hui. Et Aurore, je vous fais toutes les trois des bisous, ainsi qu'à tous mes abonnés, évidemment. Des bisous à tous. Voilà, petit aparté. Donc, c'était de la marque Azaïe, beauté à effet immédiat. J'ai adoré ce masque-ci, coup de fouet anti-fatigue. C'est agréable sur la peau, ça fait un effet de fraîcheur. Et c'est vraiment génial. Hein. C'est facile à appliquer, vous voyez, c'est vraiment comme ceci. C'est ni trop grand, ni trop petit. J'ai adoré la peau toute lisse que j'avais. Donc, je crois que ça se trouve dans les centres commerciaux. Franchement, je le rachèterai, celui-ci. Il est vraiment top et je vous le recommande. Ensuite, j'ai fini une crème pour le corps. Les corps extra doux Institut Carité que j'avais eu dans mon swap avec Christelle de la chaîne Soline Lina. Il a une odeur divine. J'ai d'ailleurs la crème pour les mains qui a un très très gros bidon. Enfin, qui a un bidon un peu plus grand comme ceci, en packaging comme ceci, mais beaucoup plus grand. Franchement, j'adore l'odeur de Carité, Institut Carité, ça sent vraiment très très bon. Et ça hydrate bien, c'est très nourrissant. J'ai adoré. Ensuite, j'ai fini ma cure de cystine B6 pour ongles et cheveux fragiles. Moi, c'est surtout pour les cheveux que je l'utilise. Donc, vous prenez 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi. Ou si vous avez oublié le matin, vous prenez au moment du repas, soit le midi, soit le soir. Donc, 120, donc 4 gélules par jour. Donc, ça fait un mois de traitement. Là, j'en refais actuellement. Vous pouvez le trouver en pharmacie ou parapharmacie. Moi, c'était ma dermatologue à l'époque qui me l'avait conseillé après mes grossesses. Voilà, ça favorise la repousse des cheveux. Et des ongles, ça fait pousser les ongles plus longs, ils sont plus forts. Donc ça, je vous le recommande et je rachèterai. Voilà, ensuite j'ai testé justement hier un masque de Montagne Jeunesse. C'est un masque peel-off, pomme-granate passion. Alors, c'est un masque peel-off au zeste de citron et aux fruits de la passion. Alors, j'ai adoré. Il a vraiment un très très bon effet. Il se décolle facilement et j'ai bien aimé. Hein. C'est pomme, granate et passion. Et il y a un peu de citron dedans. Donc, très très bon effet. Je vous le conseille. Je le rachèterai occasionnellement. Mais j'ai quand même préféré... je préfère quand même les masques de cette marque-ci. J'adore cela. Vraiment un très gros coup de cœur, ceci. C'est le deuxième que je teste et j'adore. Hein. J'adore ces masques-ci. Ensuite, les derniers produits, j'ai fait un peu de tri dans mon maquillage. Donc, premier produit, c'est un col de chez Yves Rocher, originel naturel. C'est un col noir qui se présente comme ceci. J'en avais plusieurs d'entamés et celui-ci, je trouvais que l'aspect était un petit peu... Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a certains endroits où ça fait un peu blanc, donc je préfère le jeter. Donc j'en avais entamé plusieurs, donc c'est dommage. J'ai bien aimé au début, mais je trouvais que ça tenait pas assez en muqueuse. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai pratiquement fini la base pour les paupières de chez PB Cosmétiques. Il m'en reste vraiment très très peu. Bon, je trouvais que c'était une base pour les paupières qui collait quand même. Elle avait une texture qui collait, mais j'ai bien aimé la tester. Donc, il m'en reste vraiment un tout petit peu. Hein.
Mais voilà, donc ça, je trouve ça colle trop pour mes paupières, ça l'est pas du tout. Ensuite, je jette un eyeliner de la marque Yes Love. Voilà, il est comme ceci, il est devenu pâteux. Donc pour attraper, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Je sais pas si on verra, vous voyez. Déjà, non, il y a presque plus rien, comme vous voyez. Pour attraper le pinceau, il y a presque plus de matière sur le pinceau. Ou très peu, du moins. Et non, franchement, les paillettes, on ne les voit pas beaucoup, hein. Je vais vous le montrer. Pas si vous verrez grand-chose. Voilà, j'ai essayé pour les fêtes, mais non, c'est pas génial. Je ne vous le recommande pas celui-ci. Voilà, en plus, il est dur à prélever, donc ça, je ne vous le recommande pas. Ensuite, je jette deux rouges à lèvres qui ont bien 5-6 ans. Là, c'est un rouge à lèvres de réserve naturelle, donc ça date. C'est très très vieux. C'était un magnifique rose pailleté, comme vous voyez. Et je trouve que la couleur, elle a un peu viré. Donc, je préfère pas l'appliquer sur le visage. Pourtant, j'adore la couleur. Hein. Regardez un petit peu. C'est tout à fait mon style de couleur. Et l'odeur a tourné, donc je préfère le jeter. Pourtant, la couleur était superbe. Je l'ai souvent mis celui-ci. Il a plein de nacre. C'est un violet un peu rose. Là, on ne verra pas bien avec la luminosité. Bon, je l'ai bien utilisé, mais l'odeur, elle a tourné. Mais pourtant, c'était un de mes rouges à lèvres préférés. C'était de la marque à l'époque Réserve Naturelle. Celui-ci, il a bien 5-6 ans. Je ne sais pas si vous verrez la marque Réserve Naturelle. Ça s'est un peu effacé parce que je l'ai beaucoup mis dans mon sac. C'était un top. Vous voyez, la couleur, elle est belle, hein? Elle a des reflets, elle a des paillettes roses. Mais je trouve que l'odeur, je ne me souviens pas s'il avait cette odeur-ci ou pas. Ça me fait un peu mal au cœur de le jeter parce qu'il est bourré de paillettes. Il est vraiment magnifique. Mais bon, bah écoutez, je vais peut-être le mettre de côté, le tester une fois, une ou deux fois, puis si j'ai pas d'allergie, pourquoi pas le garder, hein. Mais parce que la couleur, elle est vraiment magnifique, hein. Je vais quand même le mettre de côté, celui-ci. Par contre, un que je jette vraiment, c'est un de chez Jordana, c'est le numéro 11. Là, l'odeur a vraiment viré, donc je préfère le jeter. Ah ouais, l'odeur est... C'était un beau marron. Alors là déjà, il est sec. Alors que l'autre n'est pas sec. Sinon, c'était une belle couleur aussi. Il tenait très très bien, mais il est vraiment très très sec. Il est très dur à appliquer, sinon c'est une très belle couleur. Et celui-ci, je le jette. La texture a changé. Et ils sont vraiment pas bons, hein. Comparé à l'autre, non, l'autre, je crois que je vais peut-être le tester encore une ou deux fois. Parce que quand je vois la couleur, là, il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, c'est le soir. Donc celui-ci, avant de le jeter, je crois que je vais le tester. Parce que là, en le swatchant, il y a toutes les paillettes qui ressortent. Je ne sais pas si vous verrez. Il est bourré de paillettes. Voilà, là, on voit bien là. Donc celui-ci, je vais peut-être le tester une ou deux fois. Si je n'ai pas d'allergie, je vais peut-être le garder, hein. Voilà, bah écoutez, c'en est tout. Par contre, petit aparté, celui-ci, c'est sûr que je le jette. Hein. Il est devenu vraiment tout sec. Pourtant, la couleur est belle, mais l'odeur n'est pas là du tout. Hein. Là, c'est sûr qu'il a tourné, mais la couleur est belle. Mais il était dur à appliquer. Même quand je l'ai acheté, il était vraiment très très dur à appliquer. J'aime bien la marque Jordana, mais j'avoue que celui-ci, très belle couleur, mais il était assez dur à appliquer cela. Voilà, bah écoutez, c'en est tout de mes produits terminés. Hein. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été très long. Trop long, je veux dire, j'ai beaucoup blablaté. J'ai du mal à faire des vidéos courtes. Donc je m'en excuse, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé telle ou telle chose. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. À bientôt!